Depuis le 20 novembre 1947, le prince Philippe est le remari de la reine Élisabeth II. Ensemble, ils forment un couple solide capable de surmonter de nombreuses épreuves. Alors qu'ils sont confinés au château de Windsor, à cause de la pandémie du coronavirus, ils vivent tous les deux, depuis près de 3 mois. Une situation qui aurait pu être très compliquée pour de nombreux couples, mais qui semble convenir au couple royal. À la veille de ses 99 ans, qui auront lieu le 10 juin 2020, le prince Philippe occupe toujours une place de choix dans le cœur de la reine. Même s'il n'a jamais été un mari royal très conventionnel, il est réconfortant pour la reine, comme le rapporte le Daily Mail. Après 73 ans de mariage, il parvient toujours à la faire rire et elle adore ça. En effet, si est-il ce trait de caractère qu'elle a tout de suite aimé chez lui. Il est un ingrédient si important dans son succès et son bonheur. Il la fait rire, il a un sens de l'humour un peu méchant, un sens du ridicule qui la divertit, a confié Phil Dampier, auteur de Prince Philippe, Wise Words and a Golden Gap. Depuis le début de leur relation amoureuse, le prince Philippe a toujours eu la faculté de faire rire la reine Élisabeth II, même quand ce n'était pas le moment. Il est d'un grand réconfort pour elle alors que sa vie a basculé du jour au lendemain, à la mort de son père. Le prince Philippe a un esprit très indépendant. Si leur couple est parvenu à surmonter toutes ces années, l'expert en royauté estime que c'est en grande partie grâce à l'esprit indépendant du prince Philippe. Confronté à une crise sanitaire sans précédent, avec le coronavirus, la grand-mère des princes William et Harry peut compter sur le soutien de son mari afin de vivre cette situation plus sereinement. Le couple attend la fin du confinement pour rejoindre leur résidence principale. But you wish that I was things I would do.